là-bas, vous avez plein de salicornes. Tout ça. Voilà, tout le long. Tout le long, c'est la salicorne. Voilà. Allez, c'est reparti. Et là, on se croirait presque en Bretagne, là, ou en Normandie, là. Avec marée basse. Il y a quand même une mini marée en Méditerranée qui se répercute sur les temps d'auto et je crois qu'aussi le mist, là, il y a le vent aussi là, il y a un peu de mistral je crois qui repousse l'eau, donc ça fait comme une marée. Et là-bas il y a tous les bateaux de c'est les bateaux de pêche ou de chasse, hein, je sais pas, de chasse je crois. Ils vont chasser, je sais pas quoi, le canard ou quoi. Voilà, vous avez la voie ferrée, je sais pas si vous la voyez ou vous l'entendez.
Something broke within me, down inside. Never knew I loved you till you went away. Now the loneliness surrounds me every day. It's the bluest blues since you walked out of the door. It's the bluest blues, 'cause I won't see you.
peux vous dire que c'est du sport. C'est du sport les copains et les copines. Parce que je suppose que des fois il doit y avoir des youtubeuses qui regardent un peu les vidéos. Donc oui, je suis essoufflé. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai fait deux fois le parcours. Une fois j'ai filmé, mais on voyait que le vélo. Juste la roue devant, donc c'était pas intéressant pour vous. Pour moi si, parce que bon, je voyais un peu où c'est que j'allais, mais j'ai préféré le refaire avec une autre prise de vue. Et trouver un système d'accroche pour le téléphone. Parce que moi j'ai pas de GoPro, j'en ai des GoPro. Mais là, pour le moment, je la sors pas. C'est tout avec le téléphone. Donc ben, j'ai trouvé un système pour l'accrocher à la poitrine. Alors bon, c'est pas l'idéal, hein, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Comme j'étais au bord là, ben, il y avait une petite corde de. Petite corde de bateau là, pour amarrer les bateaux, mais qui était abandonnée bien sûr. Elle traînait sur le rivage. Donc j'en ai pris un petit morceau pour me l'attacher autour. Voilà. Voilà. Bien tendu là. Et j'ai fait passer la housse du téléphone. Voilà, je l'ai coincé et puis voilà, j'ai filmé comme ça. Bon, ça c'est avec les moyens du bord. Et bon, j'espère que ça bougera pas trop. Et mais bon, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu ma sortie dans la lagune entre Marseille en plage et Sète. Voilà, côté étang. Pour situer, si un jour vous voulez venir, c'est en face le Castellas. Il y a un camping là, ça s'appelle le Castellas. Il y a une petite tour carrée aussi. Voilà, c'est juste en face, donc c'est le domaine privé du littoral. À mon avis, juste pour faire un tour, et c'est autorisé, sauf qu'il ne faut rien ramasser, bien sûr. Là, si c'est obligé. Voilà, ben, j'espère que la petite balade vous aura plu. Je vais peut-être mettre des photos en incrustation. Comme ça, vous verrez un petit peu les photos que j'ai prises aussi lors de ma première. Mon premier essai manqué. Allez, je voulais vous dire, dans la mesure du possible, essayez de mettre un petit pouce et un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. Parce que bon, ça fait toujours plaisir à ceux qui font des vidéos, ceux qui font des montages, d'avoir un petit clic, ça vous prend même pas une seconde. Et puis nous, ça nous permet d'être un peu plus référencés. Et puis bon, et puis ça fait plaisir que nos vidéos soient vues par le plus grand nombre. Hein, c'est le but. Sinon, je mets tout en privé. Voilà. Donc voilà, entre autres, ma balade dans la lagune de Sète à Marseille en plage. À ciao et à bientôt.